Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien aujourd'hui. On les enchaîne. On les enchaîne les let's play les amis. Bienvenue sur Star Wars Jedi Survivor, évidemment, la suite de Star Wars Jedi Fallen Order, et j'ai tellement hâte de retrouver Cal évidemment dans une nouvelle aventure. Ça va être exceptionnel. Et on va commencer la vidéo très fort. Je vous propose de revivre un peu l'histoire de Jedi Fallen Order pour tous ceux que je vois arriver qui vont dire oh, B-Boy, j'ai pas suivi ton premier let's play, j'ai trop peur d'être perdu. Ne vous inquiétez pas, vous allez suivre ça en 4K 60 FPS tout le long de notre aventure. Eh, bombardez-moi ça de likes parce que franchement, c'est mérité, s'il vous plaît. D'accord? Et ça ferait extrêmement plaisir. Et un petit commentaire aussi. Installez-vous confortablement, on va vivre une aventure Star Wars tous ensemble. Et je suis très grand fan de Star Wars, vous le savez. J'ai trop hype. Je pense que ça s'entend, j'ai trop hype. Let's go! La nouvelle génération de Jedi. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Voyez-vous ça? Un sabre laser? Je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais ou ce que j'étais. Et tu n'es plus seul. Plus maintenant. Salut, BD1. Moi, c'est Cal. Fiche la paix à mon assiette avec tes lasers! Alors, il est temps de découvrir qui je suis. C'est pas ces quelques secousses qui vont te tuer, petit gars! Meryn, c'est ça? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Je sais bien ce que ça fait d'avoir tout perdu. Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais les survivants doivent s'adapter. C'est sur tes épaules que repose le destin de l'ordre Jedi. La vie a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand on n'a pas envie. Exécuter l'ordre 66. Maintenant! Non! Chaque Jedi doit affronter le côté obscur. Nous pouvons bâtir autre chose, de bien plus grand. Elle te trahira aussi un jour. Tu ne pourras jamais arrêter l'Empire! C'est cette douleur qui me rend plus forte! Tant de haine. L'échec n'est pas la fin, mon ami. C'est une étape inéluctable et nécessaire. L'espoir perdurera toujours pour ceux qui continueront à se battre. Jamais je n'oublierai. Je serai digne de vous et de votre sacrifice. Au nom du Conseil Jedi, Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. N'oublie pas, n'accorde ta confiance qu'à la Force. Alors, où allons-nous? C'était donc un bref résumé. On a pu croiser Dark Vador, hein, effectivement, dans Fallen Order, souvenez-vous. C'était d'ailleurs assez exceptionnel. C'était un bref résumé. Star Wars Jedi Fallen Order ou Jedi Survivor s'apparente un petit peu à des Dark Souls. Donc, c'est des jeux assez compliqués qui jouent beaucoup sur la parade et l'esquive. Et chaque coup peut te coûter très cher. On avait d'ailleurs fait quelques boss plusieurs fois. Et c'était assez terrible. Mais quel bonheur de se retrouver dessus. Let's go pour une nouvelle aventure, évidemment. En Chevalier Jedi, mode normal. Ça va être exceptionnel, sachant que Padawan est le mode facile. Et le mode histoire, bon bah tu te laisses porter calmement. Maître Jedi, tu commences à en prendre plein la gueule. Et bon, alors je te cache pas que Grand Maître Jedi, là, c'est finito pipo, c'est de l'ultra hardcore. Indice d'interaction, pourquoi pas. Indice de navigation, on évite, ok. On essaye vraiment les choses telles qu'ils sont prévues pour le mode Chevalier Jedi. Let's fucking go. La beubar.
Fenla. Montre-lui. Les rumeurs disaient vrai. Un Jedi. Et on le livre vivant. Le sénateur Sejan nous attend. Vous pouvez circuler. Il vaut mieux ne pas le faire attendre. Ouais. T'aurais dû mourir avec tes semblables, traître. Aïe aïe aïe, les bandes qui se retirent pour montrer qu'il n'y a aucune différence entre les cinématiques et le jeu. Mais qu'est-ce qui empêchera le sénateur de prendre notre prisonnier et de nous envoyer valdinguer dans les airs? Il doit garder ça secret. Exactement. Il veut tuper les inquisiteurs, doubler Vador. Ça gâche un jeu dangereux. Nous aussi. Le jeu est magnifique, les gars. Le jeu est magnifique. On va faire un détour. Waouh! Hey, Jedi Fallen Order, c'était sur PS4. On est sur PS5. Comme des rats dans un labyrinthe. J'aime pas ça. Si on suit le plan, tout ira bien. Ça va être incroyable. Du moment que je me paye. Ça va être incroyable. Réel. Ok. C'est des droits, vous savez. Quittez les lieux ou on vous embarque. On est des citoyens, vous avez pas le droit de nous traiter comme ça. Ah ouais? Vraiment? Le niveau 2046 n'a pas fière allure. La guerre coûte cher. Il faut bien que quelqu'un paye. C'est un peu la street ici, hein. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts dans cette galaxie. Ce n'est pas ce que dit la propagande. Aide-toi, prisonnier. C'est lui le sénateur, là? Ok, c'est toi qu'on va voir, petit bâtard. Oh, il a vraiment une tête de... J'arrive pas à croire que j'ai rencontré un sénateur. Ces derniers temps, ils sont vraiment... Heureusement qu'il fait une exception pour nous. Eh bien, on a de quoi le faire entrer dans les bonnes grâces de l'Empereur. Ceci est notre ennemi. Je la vois. Ok. Ils l'ont déjà scanné au point de contrôle. Du calme, officier. Le sénateur s'assure juste que tout est réglé. C'est reparti. Ok. Votre attention, le niveau 2046 est désormais soumis au couvre-feu sous ordre du sénateur Sejan. Je vais débarquer les rues et vous mettre à l'abri jusqu'à nouvel ordre. Oh, l'ambiance, elle est ouf aussi. Hein. Arrêteront et incarcéreront quiconque. Non, vraiment, je pense qu'on va kiffer, hein, vous imaginez pas. Hein. Faut savoir que Fallen Order, c'était déjà la folie. Les autres, vous restez ici. Ce n'était pas l'accord convenu. L'accord a changé. Pas question. Soit j'y vais aussi, soit on s'en va. Seulement vous. Les autres attendent. C'est mon sabre laser dans la mallette, vous voyez ? Terroriste. Tu vas le laisser t'appeler comme ça ? Ça suffit. Bah, on vous l'avait trouvé. Au marché nocturne. Il essayait d'acheter une caisse de bombes à électro-protons à un marchand d'armes chagrin. Comment vous l'avez arrêté? Les Jedi ont besoin de dormir, comme nous. Quand le sénateur s'occupera de toi, tu l'imploreras la mort. Toujours sympa de rencontrer des fans. Ah ouais, il m'attend debout au calme. Par ici, Jedi. Doucement, la conseil. Occupez-vous de vos affaires. Ce sont mes affaires. Le prisonnier doit être en pleine forme. Le sénateur a demandé qu'on lui amène le prisonnier en vie. Il respire, n'est-ce pas? Ah, les droïdes. Aïe. La zone est-elle sécurisée? Oui, sénateur. J'espère bien. Les chiens de Vador ne sont jamais bien loin. Un Jedi est un cadeau rare de nos jours. Que m'avez-vous amené d'autre? Voilà! Veillez à ce qu'il soit payé. Ce fut un plaisir, sénateur. J'espère que nous referons bientôt affaire ensemble. Le Jedi renégat Cal Kestis.
Tu t'es forgé une solide réputation. Sabotage de dépôt d'armes. Perturbation des chaînes de production en agitant cette arme à la vue de tous. Le putsch raté sur Norseed. C'était toi aussi, je suppose. Que voulez-vous, sénateur? Des aveux signés? Vous savez déjà que j'ai travaillé avec Saw Gerrera. Avant que je ne te livre à l'Empereur, tu vas me conduire au reste des Jedi. Je peux pas. Il n'y a plus que moi. Inutile de résister. Je finirai par découvrir la vérité. Parfois, il suffit juste d'un discours. Mais là-dedans, j'ai d'autres outils à ma disposition. Ou peut-être me contenterai-je de ceci. Le sabre de ton maître, Jaro Tapal, un traître comme toi. Et dire qu'un jour nos enfants nous demanderont ce qu'est cette chose. Une relique d'une institution corrompue, anéantie par sa propre arrogance. L'arrogance est un piège auquel beaucoup se font prendre, sénateur. Je suis sûr que l'Empereur ne m'en voudra pas si je te livre à lui en petits morceaux. Quoi ? Vous pensiez vraiment pouvoir m'attraper ? Vous détenez des données militaires sensibles sur votre yacht. Et vous venez de me les livrer. Ah, merci, BD. Tu vas brûler pour ça. Je vais reprendre ça. Alors, L2 tiré. Ok. R2 repousser des ennemis seuls et maintenez pour repousser des coups. Très bien. Carré attaquer avec le sabre laser. Voilà. Ok. Là, ça me plaît, là. Allez, viens me chercher. Ok. Ok. Ça, c'est l'attaque forte. Ça dégage. Suivant. Hop, suivant. Vous avez dans le ventre, sénateur ? Ah, comment on récupère ? Votre jauge de force est vide. Infligez des dégâts aux ennemis. Ok. Elle est emparée. J'ai réussi à chercher. Oh la vache, quand je vous dis que c'est pas... C'est... Putain, c'est dur. C'est dur. Ok. Soignez-vous, flèche du haut. Ah, c'était peut-être fait exprès que je prenne ma part, non? Ok. Très bien. Ok, on peut faire le double saut. C'est déjà pas mal. Je crois qu'on a déjà pas mal de petits pouvoirs. Y'a pas à tout refaire, et ça c'est cool. Attends, il vient de perdre un bras là. Oh, il vient de perdre une main, y'a du démembrement, merci. Oh non. Ok. Oh, oh les zecs. Let's go. Faut que je reprenne mes habitudes, les amis. Hein. Je rappelle que le jeu n'est pas encore sorti, y'a pas le patch des One. Hein. Attention, s'il y a des petits bugs et pas tout. Si vite, je pense que ça va vite se régler. Au revoir, BD. Là, il vient vers nous. Il arrive un peu trop vite. Beaucoup trop vite! Tiens bon! Ça fait rien. C'est des choses qui arrivent. Il faut atteindre ce yacht. Ok. Ok, je fais des vraies tractions, hein, de bonhomme. Alors, on va passer par ici. C'est et pas on repassera loin, par là. C'est pas ta faute. On rattrapera le yacht. Ok. C'est ici maintenant. Quoi ? Négatif. Bien. Préviens-le. Et le prisonnier ? Il est peut-être avec le sénateur ? Oh, il est tombé. Je veux une confirmation avant que la communication avec le sénateur ne soit rétablie. Tu vois quelque chose ?
Rien pour le moment. Il devrait déjà y avoir une section complète sur ces quais. Oh là là, par contre, le détail, c'est exceptionnel, les gars. Hein. Ouais, possible. Déjà, Fallen Order était beau. On doit filer. Là, bon, comme d'hab, ils savent pas viser droit, ça me bute. Ah, il est bâtard! Ok. On est sur les toits de Coruscant. Yes. Qu'est-ce qu'on a là? Bien ça. Un émetteur. Vas-y, scanne-moi ça. Je peux pas l'ouvrir. T'as pas un truc pour t'en occuper? Ok. C'est embêtant. Peut-être qu'on reviendra ici plus tard. On doit retrouver ce yacht avant l'Empire. Putain, les gars, le jeu est trop beau. C'est sécurisé ici en haut? Tu vas désobéir. Levez les yeux! Toute mon escouade a été tuée. Allez, ça dégage. Oh, voir des bras voler, quel bonheur! Merci. Quelles que soient les infos que cache le sénateur, j'espère qu'elles en valent la peine. Tu perds jamais espoir, toi. Oh, je me suis soigné, alors que c'était flèche de gauche pour ranger son sabre ou le sortir. Oh, c'est exceptionnel. Oh là 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 là! Je suis désolé, y a rien de plus stylé qu'un putain de Jedi. Ok, on va passer par là. Bon, j'ai fusillé un soin, mais nique. C'était pour le plaisir de retrouver la touche pour le sabre. Allez, c'est parti. C'est par là. Ok. Est-ce que j'ai foiré le truc là? Je vais mourir. Je me suis déjà foiré dans le chemin. Attends, je me suis foiré dans le chemin, c'est pas possible. Ah non. Ok, superbe. Ensuite, on va passer par ici. Oh yes. On a la cible en visuel? Pas encore. Allez, on bouge, plus vite. Ça, c'était pour save, hein, c'est ici, ça mon pote. Trop bien. C'était pour récupérer sa vie, pour save. Et s'appliquer des points, je crois. Repos. Ah, l'arbre de compétences, let's go. Allez, compétences. Alors, point de compétence, il y a une compétence prête seulement, c'est pour le sabre laser. C'est sûrement pour le jeter, non? Pour effectuer une attaque projetée. Ok, j'ai pas le choix que de prendre ça. Ah, ok, un classique. Un classique dans le monde de Jedi. Très bien. Et se reposer, y'a pas besoin. Okay, qu'est-ce qu'on a là? Vas-y, pirate-moi ça. Pirate-moi ça, s'il te plaît, Bibiche. Non. Pitié. J'ai servi pendant la guerre. Sans doute. Maintenant, dégage, ordre du sénateur. Ça suffit. Tirez. Ok. Attends, c'est là-bas la suite de nos aventures? Ok. Et là on a quoi? Attends, parce que là aussi il y a un bail, hein. Ah non, ça m'embête ça, hein. Je sais pas trop par où passer là, je vous avoue, hein. Oh, c'est trop stylé, bordel. Hop, double saut. Triple saut. Yes. C'était pour un coffre superbe, ça valait le coup. Ok. Interrupteur patience. Attends, on va même pouvoir changer les interrupteurs de son sabre, c'est exceptionnel. Oh, je kiffe juste sortir le sabre, hein. Je suis désolé. Je prends tellement de plaisir à ça. Ok, on va passer par là, au calme. Allez. Qu'est-ce qu'on cherche? Le suspect est un homme, vu pour la dernière fois sur le quai 27. Ils disent que c'est un Jedi. Attention,
Ok. Scan. Scanne-moi sa bibiche. Ok, très bien. On a quoi par là? Je suis sûr, il y a forcément des petits trucs un peu à fouiller à gauche, à droite. Genre bluff par ici aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai que les cartes étaient très complexes. Fallait avoir Bac plus 10 pour comprendre les cartes de Star Wars. Je pense que là-bas, on a tout à y gagner, à y aller au calme. Yes. Un genre de minerai rare, je suppose. Oh. Oui, c'est magnifique. Ok, un minerai rare, on verra à quoi ça sert plus tard. Oh, le jeu, il a une gueule! Il est tellement beau! Quel bonheur de retrouver Cal Kestis aussi, putain! Tiens, bluff. Oh, ça fonctionne. Voilà, c'est tout ce que je voulais essayer. Ah oui, c'est vrai que L2, c'est l'attraction. Et le rejet, c'est R2. Ouais. Ok. Holocarte débloquée. L'holocarte, lancement actuel de casse, l'emplacement de l'objectif principal, très bien. Navigation, putain, ça c'est incompréhensible, ça me bute. À chaque fois, ça me bute les cartes de Fallen Order. Voilà Lyot. Il dérive toujours. T'as bien raison, BD. On va la voir. Attends, y'a rien derrière. Oh. C'est quoi ça? C'est bien. Ok. Ouais, je veux pas bien un turbo hot dog. J'ai entendu dire qu'ils étaient faits avec de la viande de scrap. Oh, je crois que je vais arrêter là. Oh là 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 là. Hop, on se recoiffe, parce que je le vaux bien. Superbe. Ah, c'est pas là. Peut-être là ? Ah non, c'est là. Je les vois. La criminalité est en haut ces temps-ci. Changez de position. Allez, c'est bon, ici ! What ? Quoi ? What ? Quoi ? Je suis déjà aussi puissant ! Ça y est, c'est terminé. Attends, je sais même plus sur quoi j'ai appuyé pour faire ça. Attends, j'ai appuyé sur quoi? Ah non, mais jamais faut me donner ça. Jamais faut me donner ça. Oh, vous êtes des malades, les gars. Ok. Voilà, abattez-le. J'allais sauter. Oh, c'est trop, ça va être fou. On approche. Tu tiens le coup, BD? Oh, bébé. Bon, c'est BD, mais t'as compris. Ah oui, c'était sûr. T'en as mis du temps. Ah, tu sais, je me baladais. J'admirais la vue. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Coruscant. Merci, Baud. Je fais que mon boulot, Kestis. Quand j'ai vu le caisse s'effondrer, je me suis dit que ce coup serait vite bouclé. Pourquoi leur faciliter la vie? Ah! Où est l'équipage? On va vers le yacht. On les rejoindra là-bas. Oh, et bravo, Adi, pas de radio. Pas de radio.
Bravo, c'est ce qu'il fait. Ok. C'est pas ça. Ok. Raccourci. Très bien ça. Comme ça, on va pouvoir récupérer notre bio calme. Allez, ça me plaît. Concentre-toi. Ça me plaît fort. Se reposer. Simple double lame. Ok. Je peux peut-être mettre encore d'autres postures. Je sais pas, ça peut être insane. Simple double. Non, non, ok. Pour l'instant, j'ai que deux postures. Ça va être incroyable. J'ai vraiment trop hâte. Allez, on est reparti. On a de la compagnie. Kouvelis doivent être en train de mourir de faim. Des Klatouiniens affamés. Rappelle-moi de te parler de la mission sur Caridaan ces jours. Ok. On dirait que cette usine a arrêté le yacht. Trouver l'équipage du yacht. Pas de canonnière. Ils doivent être en train de semer le chaos. On va pas les faire attendre. Ouais, mais tu m'étonnes que... Tu m'étonnes que t'as un peu une sensation de déchirure verticale, frérot, avec tout ce qu'il y a. Allez, vas-y. Comment on va faire traverser? Bon, ça n'a pas marché. Tu penses pouvoir renverser cette caisse? Ça vaut le coup d'essayer. Ça y est? Ok, let's go. Les gars, le jeu est trop beau, hein, je kiffe. Rappelle-moi de te raconter comment je l'ai eu à l'occasion. Qui t'a appris à bouger comme ça? Mon maître. Chaque fois que je tombais, il me remettait sur pied. Tu m'as l'air d'être un bon prof. Une patrouille de Stormtrooper. On est recherché. Ok, on a un petit bail sympa. J'ai trouvé quelque chose. Deux éclats de priorite. Ok. Ah, ok, ok. Je vois ce qu'il va falloir faire. Ah, très bien. Là, on peut pas monter dessus. Yes. Impressionnant. Qui a besoin d'un jetpack? Allez, vas-y. Ah. Tu vois ce câble? Je m'en charge, Kestis. Allez, ouvre-moi ça. Couleur de Coruscant, ok. Merde. Attends, il y a déjà plein de secrets sur la première planète. Merde, c'est pas possible. Ok. T'es l'arbin en bas. On peut pas les éviter. Alors on va forcer le passage. C'est quand tu veux, Kestis. Attends, 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 attends. Je pense qu'on a peut-être oublié quelque chose. Je n'ai pas peur de le dire. Ah non. Là, malheureusement, on peut plus y retourner. Allez, c'est parti, c'est pas grave. Salut les mecs, vous me cherchiez? Allez, en scène! Quoi? Si la jauge de garde de Cal est vide, il sera temporairement étourdi. Oh, dur. Allez, c'est la gâche. Ça, je ne savais pas. Très bien. Ça lui apprendra. Des soldats arrivent. On va les prendre par surprise. Bien sûr, à ton signal. Maintenez R1. Maintenant. Comme ça, vous voulez une deuxième fois? Oh lolo, mais quoi? D'accord, tu sais te battre. Oui. Il y a des bails en duo. Je parle pas le binaire, mais je comprends, BD. On est une équipe. Ok, il y a un bail là qui vient de s'afficher. Il y a un putain de bail qui vient de s'afficher. Ok. Là, je trace fort et vite, mais j'ai trop envie d'avancer là. J'ai trop envie d'avancer là. Le yacht est juste là. Et bien sûr le. Essayons ce chemin. Arrête.
Arrête de lire dans mes pensées, Jedi. C'est un tricheur. La vache! Ok. Bon. Les amis, on est de retour. On est déjà venu ici, non? Ah non, c'est pas le même endroit. Les amis, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. C'est la fin de notre épisode 1. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. On va évidemment se reposer et on va s'arrêter là. Partie sauvegardée. Allez, à plus tout le monde. Bye bye.